Coucou Sunshine, hello everybody. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Pour toi qui ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Aïda Sawadogo, la meilleure facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Je suis également la patronne des Beauty Bosses. Ou bien, bon, je suis venue ici faire les achats des clients. Je voudrais en profiter pour vous laisser ce petit message là, parce que les gens ne comprennent pas, les gens veulent comprendre comment fonctionne la Chine. En fait, la Chine est un pays d'opportunité. Ok, c'est-à-dire que c'est même pour cela que la majorité des gens pleurent. C'est la raison pour laquelle la majorité des commerçants pleurent du le fait que la Chine soit fermée. Pourquoi? Parce que la Chine est tout le temps en train de refaire les stocks. Et maintenant, quand ils font des nouveaux stocks, c'est-à-dire que quand ils renouvellent la boutique, c'est-à-dire qu'il y a les nouveautés, tout ce qu'ils considèrent comme ancien, là, c'est-à-dire que ce qui ne passe plus sur le marché, ce qui est dépassé, maintenant ils commencent à baisser les prix, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent ça en solde. C'est-à-dire que quelque chose qui coûtait peut-être à la base 10$, ils vont le faire peut-être à 5$, vous voyez, 6$, surtout si vous prenez beaucoup. Si vous prenez alors beaucoup, quelque chose peut-être de 10$, vous donnez même ça à 3$. Quand il dit beaucoup, ce n'est pas les histoires de 1000, hein. On parlait de 5000 pièces, on parlait de 10 000 pièces. Les Chinois sont comme ça. Ok, le minimum le plus souvent, c'est 1000 pièces. Donc, je voulais alors profiter pour vous montrer, pour vous donner quelques idées des opportunités d'affaires, quoi. Je vais vous montrer, il y a ici des plats, des cuillères. Vraiment, c'est là, une personne achète, ok. Maintenant, les gens qui font la brocante en Chine, eux, ils achètent ça maintenant. Et ceux qui vivent, les Chinois qui vivent en Chine, ils achètent ça et ils revendent. C'est même eux qui sont sur Alibaba. Ce sont ces plats-là. La plupart du temps, il y a certaines personnes qui achètent les plats-là. Ils nettoient ça très bien. Et puis, ils créent aussi sa part de site internet. Et puis, ils commencent maintenant à vous vendre ça cher, quoi. Sinon, à la base, c'est quelque chose qui est peut-être très moins cher. Mais en tout cas, c'est comme ça que le monde est. Donc, je vais filmer pour vous montrer, pour vous donner un peu des idées, des opportunités d'affaires. Donc, seulement au niveau des plats, quoi. Des marmites, les assiettes. Et puis, vous allez comprendre. À tout à l'heure. Là, ce sont des choses qui coûtent d'habitude peut-être 7$, mais aujourd'hui on est parlé de 2,5$. Vous voyez, regardez, moi, là il se coûte à partir de 2$. Voilà. Ça va de 2$ jusqu'à 5. Bon, c'est ça en fait la Chine. La Chine, ce sont des opportunités. Oui. La Chine, ce sont des opportunités. La Chine, c'est des choses de très très bonne qualité. Regardez un peu à quoi ça ressemble. De côté. Et puis, je ne suis même pas la seule. Il y en a d'autres. Il y avait d'autres influenceurs chinois qui étaient là pour venir aussi, qui ont aussi fait des vidéos. C'est comme ça qu'ils vendent. En fait, ils sont venus faire des lives. Ils vendent ça directement. Ils vendent ça cher. Vous voyez? Comme ça, ils font des lives. Ils ont leurs emballages à eux. C'est plus comme ça. Les plats commencent à partir de 2$. C'est ça la Chine en fait. C'est un pays d'opportunité d'affaires. C'est pour cela que j'aime ce pays-là, quoi. Oui. Votre vie peut changer ici en une fraction de seconde. Oui. J'ai beaucoup de gens qui achètent comme ça, qui en profitent pour acheter, hein. Oui, quand je fais comme ça les vidéos, ils me commandent. Ils en profitent. Et puis après, on commence à me demander ce que tu avais mis dans la vidéo là. C'est en retard déjà parce que je ne suis pas la seule. Comme je vous ai dit, il y a les influenceurs chinois qui viennent aussi faire les photos ici, là, les vidéos. Et ils vendent ça directement, ils vendent ça en live, quoi. Maintenant, voilà les nouveautés, vous voyez. Voilà les nouveautés qui sont venues. Donc, il faut déstocker, il faut retirer les anciennetés. Vous voyez.
C'est un peu ça, quoi. C'est le marché de... Je vais faire partout, vous allez voir. Ça, c'est le marché de... événementiel, quoi. How are you? Hi, boy. Vous voyez, ça continue. Vous voyez, tout ce qui est dehors, là, comme ça, là, c'est... donc, ça en sort de... C'est en train de liquider ça, voilà. Vous voyez, un peu comme ça, c'est beau, hein. C'est very nice. Mon fils qui fait trop de bruit, hein. C'est tellement joli. I have so many. Yeah, inside. Yeah. I have so many people on style here. Yeah, I will come. You can get my WeChat and yeah, send yeah, a photo for you. Yeah. My number, I send it for you. Yeah, thank you. Yeah. I have to go because my baby is playing. I'm afraid that he may break everything. Yeah, that's why I have to go. Okay. See you. Thank you. Okay, bye. Voilà toujours les mamans, vous voyez? Tout ça comme ça, là, c'est toujours. Mais ici, la main, la majorité des trucs ici, c'est pour les Chinois. Ça, là, c'est pour les Chinois. Voilà. C'est pour faire la soupe, hein. Comme voilà même l'hiver, tout ce que vous voyez là. Voilà, voilà ce que vous pouvez acheter. Voilà ce que vous pouvez acheter. Donc, les prix sont vraiment bas. Vous voyez, non? Vraiment bas. Tout ça là. Vous voyez, ça c'est pour les Chinese. Okay. Vous voyez, ça c'est pour les Chinois. Mais là, ok. Voilà, ça on peut l'utiliser nous-mêmes. Wow. Voilà, ça va. Ça pèse, very heavy. Voyez, ma mite. Non, ça c'est pas ça, c'est pour la soupe. Voilà, c'est très bien. Tout ça là, c'est un solde. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Ça c'est pour les Chinese. Bon, vous allez voir, je vais essayer de voir. Ça, ce n'est pas la solde. C'est ça que je vois les chaises là, ça reste toujours dehors. Mais les assiettes, vous voyez. Voilà, vous voyez les Chinois là comme ça, ils viennent acheter ça comme ça là, à bas prix. Maintenant, ils lavent ça très bien. Ils postent ça sur Alibaba, ils postent aussi sur Taobao. En fait, ils suivent les applications chinoises, quoi. Ils postent ça. Voilà. Voilà. En fait, c'est ça la Chine, il y a une opportunité d'affaires. Like this, like this, how much? Yes, you want set. Yeah, okay. How much? I see. Je vais demander le prix, elle va regarder et puis elle va me dire. Je suis avec mon bébé. Hein. Ça, c'est pour. Vous savez, les Chinois, ils ne peuvent pas aussi avec. Ils utilisent aussi les choses en terre. Voilà les plats, waouh! No bania, very, this one I'm very cheap là. Cheap, cheap. Yeah, ils disent cheap, ils vont dire cheap, cheap. Chinois, chinois. Yeah. Wait, don't touch. Mais ça avec mon bébé, j'ai tellement peur. Yeah. This one very cheap. Check out ça. 5 yuan. 5 yuan. 5 yuan. Wow. Wow. Vous voyez? Oh, wow. Ah, tous ceux-là, venez voir, acheter, profiter. Hein. Ok. Donc, il y en a tellement. Il y a beaucoup d'opportunités. Oh, j'ai mon fils là. Qui, tout ça là, comme ça là. Vous voyez? C'est un peu sombre. C'est un solde. Je continue et voilà. Ici là, c'est la même chose, vous voyez. Comme ça là, c'est un sort de liquidation. Comme ça. Regardez un peu à distance. Après ça me semble. Regardez un peu les 7. C'est en cassable parce qu'il y a des trucs comme ça là, ce n'est pas, c'est souvent comme si c'était le plastique. Ah, en cassable, voilà. Regardez ça là. Et
Non, 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 non. Désolée, je suis avec mon bébé. Désolé pour le bruit, mon fils. Là aussi les théières, je crois comme ça qu'on appelle en français, je crois. Les tasses. Allez. Il y a tellement, je vous assure que je vais dormir ici, je vais seulement filmer ça quoi. C'est pour juste vous faire comprendre que en fait c'est ça la Chine quoi. Les occasions aussi, les opportunités, si vous voyez les théières là. Tout ça là. C'est en sorte de c'est en liquidation. Ça, parce que dedans, voilà l'intérieur, c'est en liquidation. Tout ce que vous voyez là, il n'y a pas moyen. Le plat là. Voilà l'hiver, oh, c'est déjà sombre ici. La nuit tombe déjà. Là l'hiver, je vais faire ça vite faire. Le chauffeur m'appelle. Vous voyez tout ça là, c'est en sombre. Vous voyez? Un peu l'air, c'est tout ça là. Ça c'est seulement ce qui est à l'extérieur, ça qui est en sol, dans l'intérieur là. C'est ce que je voulais vous présenter. Je vais me dépêcher pour rentrer à la boue, pour aller prendre ma marchandise. Puis on se dit à la prochaine, bye.